Les conséquences sont impressionnantes. Une femme américaine de 55 ans a développé la maladie de la langue noire, après avoir pris un antibiotique, de la minocycline, pour le traitement de plaies aux jambes consécutives à un accident de la route, rapporte CNN. En une semaine, sa langue est devenue noire, avec des petites excroissances ressemblant à des poils. La quinquagénaire a également ressenti un goût désagréable dans sa bouche et a eu des nausées. C'était un cas d'école typique, écrit Yassir Ahmad, assistant au département de médecine de la faculté de médecine de l'université de Washington à St. Louis, Missouri, qui s'est occupé du cas et a raconté l'épisode dans une publication du New England Journal of Medicine mercredi. Cette langue velue noire est une affection bénigne, caractérisée par une hypertrophie et un allongement des papilles filiformes à la surface de la langue, qui deviennent noires et prennent alors l'apparence de petits poils.